anti-Roumain. Et vraiment. Anti. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues, chers partenaires, chers journalistes, chers professionnels des médias que vous êtes. Et je vois que vous êtes, et vous représentez en fait ce que le Mali est jeune, très jeune. Le Mali est très jeune dans sa population. On vient d'apprendre du 5e recensement de la population et de l'habitat que le Mali a un âge moyen de... En fait, laissez-moi vous poser la question. Quel est, selon vous, l'âge moyen de tous les 23,3 millions de Maliens et de Maliennes? Quel est l'âge moyen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose deviner l'âge moyen? L'âge. De 15 à 35. Non, l'âge, un âge. Pas de A, mais un âge. 30 ans, 50 ans. 35 ans. Combien? 35 ans. 35 ans. Qui dit mieux, qui dit moins? 23 ans. Oh, et le troisième, il y a un troisième, je vais proclamer le gagnant qui est le plus proche. 20 ans. Voilà, le gagnant est là. 21,2 ans. 21,2. Il a dit 20. Vous avez dit 23. Voilà, il a gagné. Mais pour très peu. Non, en fait, c'est juste pour vous dire que vous avez une population très jeune, extrêmement jeune. Et c'est pour ça que le thème sur lequel on a fait un effort pour être avec vous, vous écouter, mais aussi vous partager certaines connaissances à travers un programme qui est très important, qui est porté par le gouvernement de la transition aussi, qui est le programme SWET. C'est un programme très important qui justement vise sur la dividende démographique féminine avant tout. Parce que la dividende démographique, je suis sûr qu'on vous a raconté un peu ce que c'est. En fait, c'est un peu l'argent en banque que le pays a pour investir et développer son futur. C'est le bonus démographique qui est la population de ceux qui sont dans l'âge de travailler. Et pour pouvoir maximiser l'impact de ce bonus, pour que cet investissement porte des fruits, il faut que l'État investisse dans les filières clés pour que cette jeunesse, cette couche sociale puisse vraiment se mobiliser et développer son plein potentiel. Parmi ces piliers, vous le savez tous, il y a l'éducation, bien sûr, il y a l'emploi, il y a la santé, il y a la protection sociale, ainsi de suite, tout ce qui fait qu'un être humain puisse développer son potentiel, ses études, pour donner le maximum à son pays à travers son travail et ses activités. Voilà. Et là, le projet SWET a identifié, vu le contexte très particulier africain, que dans la société africaine, vous le savez très bien, la femme joue un rôle particulier dans la société, dans votre communauté, au niveau de votre famille. C'est vrai que l'homme amène la force du travail, corporel, mais c'est aussi l'homme qui mène les guerres, c'est l'homme qui construit, c'est l'homme qui conquérit, c'est l'homme qui se bat, et c'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui s'occupe de l'enfant, de la famille, du village, du ménage. C'est la femme qui inlassablement travaille jour et nuit, qui s'occupe et qui se fait des soucis pour le bien-être de la société, de sa famille, de son ménage. Et c'est tout simplement, la conclusion est simple. Un pays dans lequel une femme ne peut pas être en bonne santé, mental et physique, c'est un pays qui aura des difficultés pour se développer. C'est clair. S'il y a quelqu'un qui doit faire beaucoup de travail, n'est pas en bonne forme, physique ou mentale, c'est clair que cette personne ne peut pas faire son maximum pour bien jouer son rôle. Et le rôle particulier que la femme a par rapport
aux nouveau-nés, aux enfants qui représentent le futur de votre pays, c'est encore plus important que la femme est en bonne forme, résiliente, et elle a sa dignité et sa force pour pouvoir continuer ce travail. Parce que la femme travaille 24 sur 24, 7 sur 7, n'a jamais vraiment des vacances parce qu'il y a toujours la famille qui demande sa présence. Ça, il faut absolument le reconnaître. C'est pour ça que l'engagement que vous avez pris, est très, 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 très important, notamment dans le rôle où vous vous trouvez dans la vie professionnelle et le service que vous rendez à votre pays. Le rôle que vous jouez, c'est un rôle fondamental pour maintenir la population informée, et vous avez une grande responsabilité dans ça, à ne pas tomber dans les pièges des mensonges, des fausses informations, des choses qui en fait ne font pas du bien à la population, mais qui font juste que la population ait plus peur ou on répartit des informations qui sont injustes. Vous avez un rôle fondamental. Pour jouer ce rôle, il faut avoir accès à des données. Parce que ce sont les données qui vous donnent la force de l'argument. Si vous pouvez, par exemple, dire que sur 100 000 femmes qui accouchent des bébés chaque année, il y a 350 femmes qui meurent en donnant la vie, vous pouvez faire un calcul, ça veut dire environ 2 femmes par jour qui perdent leur vie en donnant la vie au Mali chaque jour pendant la naissance. Et beaucoup de fois, ce sont des décès qui sont évitables. Elles sont évitables si on peut détecter à temps une complication dans la grossesse. Si la femme n'a pas besoin de marcher ou prendre une moto pour arriver à la maternité, ça lui prend 3, 4, 5, 6 heures, où elle est loin du goudron. Des morts qui peuvent être évitées parce que quand elle arrive à la maternité, il y a une sage-femme, elles sont là, qui est bien formée, qui peut l'aider à mettre au monde son garçon ou sa fille. Aussi, éviter quand on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui, à l'âge de 18 ans, déjà des filles qui ont déjà 2, 3, 4 enfants. Le taux moyen d'enfants par femme au Mali est plus de 6 enfants par femme. Avec un taux de fertilité aussi grand, il faut reconnaître que la richesse dans votre culture, c'est avoir beaucoup d'enfants. Mais c'est aussi important de laisser assez d'espace entre les enfants pour que justement la famille puisse donner toute l'attention, tout le soin et faire de sorte que l'enfant ait la nutrition, l'éducation, l'attention, l'amour suffisant pour que cet enfant puisse vraiment grandir comme adulte qui peut contribuer à la communauté. Si vous avez des femmes qui sont enceintes chaque année, j'ai rencontré des femmes qui ont 35 ans, qui ont plus de 12 enfants. Ils ont déjà perdu 3 à cause des fausses couches. Elles sont fatiguées. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants, mais elles veulent avoir au moins le temps entre les enfants. C'est pour ça que c'est très important d'avoir l'accès au choix. Si la femme veut faire la planification familiale dans le sens où elle veut contrôler quand est-ce qu'elle peut avoir le prochain enfant pour vraiment s'occuper bien des enfants qu'elle a déjà. Ça devrait être le focus de chaque homme qui aime sa femme, pour savoir que ma femme doit être en forme, en bonne santé. Je pense que vous tous les hommes ici, on est tous contents qu'on se lève le matin et on trouve un sourire sur le visage de notre femme. Ça fait toute la différence. Si je rentre le soir et je viens du travail et je trouve un sourire réel, pas un sourire artificiel sur le visage de ma femme, ça fait toute la différence. Ça fait le bonheur vraiment. Ça n'a pas de prix. Ce sourire vient quand on se sent en bonne santé et on se sent en bonne santé physique et mentale. Parce qu'il y a aussi les violences. Quand on parle de violences basées sur le genre, on entend parfois, ah non, il y a les blancs qui arrivent avec le genre là, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. C'est vrai quelque part. Le genre veut dire, il y a les hommes et les femmes. Si on te fait une violence basée sur le genre, ça veut dire qu'on te fait du mal, on te viole parce que tu es homme.
ou parce que tu es femme, pas pour autre chose. Je peux te violer parce que tu es un petit garçon. Je peux te violer parce que tu es une femme, tu es faible, tu n'as rien à voir. Je peux faire ça avec toi. Tu n'as pas ce droit-là. C'est pour ça que ces violences sont très, 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 très sérieuses. Alors, quand on parle des violences basées sur le genre, c'est rien d'autre que on te fait la violence parce que tu es femme ou parce que tu es homme. C'est ça très important à comprendre. Très, très important à comprendre. Alors, il y a aussi des choses qui sont dans notre culture, dans toutes les cultures, qui sont ancrées depuis longtemps, qui viennent même avant les religions, qui sont ancrées dans nos coutumes, dans les légitimités traditionnelles, culturelles, depuis des centaines d'années. Il y a des pratiques qui ont été faites il y a des centaines d'années parce qu'à leur temps, peut-être, ça donnait un sens. Ça faisait un sens parce que la société, comme vous le savez, développe rapidement. Et avec la technologie et avec le développement aujourd'hui, on développe tellement rapidement qu'on regardait juste d'ici, il y a 10 ans, ces téléphones-là, c'était pas ça. Tous les développements qu'on voit aujourd'hui, qu'on a les téléphones ici qui peuvent faire les photos et je ne sais pas quoi encore, jusqu'au fin fond d'un pays, on trouve des jeunes qui ont les téléphones, s'ils ont un peu de batterie, ils peuvent accéder le monde. La vélocité, la rapidité avec laquelle le monde se développe, il faut que l'être humain doit continuer à ne pas être derrière ce développement. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont dans la culture qui aujourd'hui ne sont plus adaptées à la société qu'on a. Par exemple, quand on mutile une fille qui n'a même pas le choix d'être excisée ou non, pourquoi est-ce qu'on mutile une fille? Quelle est la raison? Pourquoi? Quel est vraiment le bien qu'on fait à la fille si elle est coupée, si elle est excisée? Bon, il y a des gens qui disent, si ma fille n'est pas coupée, elle n'aura pas de mari, elle ne pourra pas être mariée, elle n'aura pas...